Tu restes zen. Faut pas que je panique, tout va bien. Ça va être compliqué. Au secours. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. C'est une vidéo qui est pas du tout, mais alors pas du tout préparée. Alors excusez-moi si je suis un peu... Bon, ça changera pas d'habitude, tu me diras. Hein, mais non, mais là je suis tellement stressée, vous pouvez même pas savoir à quel point. J'ai peur, je panique. Mais en même temps, je suis tellement heureuse. Je suis dit, ah, ouais, vite, vite, hâte. J'ai hâte. Vite. Excusez-moi, je suis stressée. Je dis, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va dans, bien dans le meilleur du monde. Par contre, j'ai chaud. J'ai... Waouh, purée, comment j'ai chaud. C'est hyper chaud. Au secours. Bon, alors. Parlons bien, parlons mieux. Non, c'est pas ça. Comment on dit? On s'en fout. Allez. On va reprendre les... On va contrôler, hein, on arrête de dire des conneries, ça y est, stop, c'est bon. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer le swap que j'ai réalisé avec Mélanie. Un swap que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est dessus. On a pris tout notre temps, mais pour faire les choses correctement. Mais j'ai tellement peur, parce que Mélanie, vous la connaissez soit sous le nom de Jolie Fimoterie, ou alors sous le nom de Little and Cute One. Si vous la connaissez pas, c'est que vous êtes pas normal. Parce qu'honnêtement, je parle mon avis personnel, c'est la meilleure polymériste dans son domaine. C'est la meilleure de toutes. Voilà. Faut pas se foirer la face. Hein. C'est la meilleure. Donc quand elle m'a proposé un swap, je suis restée sur le cul. Moi? Mais t'es sûre? Tu veux pas quelqu'un d'autre de plus... de mieux? Je comprends pas pourquoi moi je vais rien t'apporter de nouveau là-dedans. Quoi. Mais elle est là-haut puis moi je suis tout en bas. Quoi. Donc j'ai été très 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 touchée qu'elle m'ait proposé de faire un swap avec elle. Je suis très... J'ai encore le cœur qui bat à 100 à l'heure, là. Je raconte même pas comment j'ai peur. On va garder son calme. Mais ouais, donc je suis très touchée, je suis très stressée, je suis très émue, je suis très apeurée. En fait, je suis partagée entre plein de sentiments. Je suis pas bien. J'espère que je vais pas faire de malaise. Mais non, j'en reviens toujours pas, quoi. C'est ma... Waouh. Donc avec Mélanie, ça va... Oh la vache, putain. Mais oui, ça va faire 4 ans qu'on se connaît. Oh, le délire. Mais je me souviens encore comme si c'était la première... Je vais y arriver. Je m'en souviens encore comme si c'était hier la première fois qu'elle est venue me parler. Voilà, je vais réussir à faire mes phrases correctement, c'est compliqué. parce que oui, j'ai commencé en novembre 2013. Elle est venue me voir quoi, début 2014. Je sais plus exactement à quelle date c'était, je m'en souviens pas du tout. Je sais que c'était pas longtemps après que j'ai commencé sur YouTube. Et Mélanie, moi je la suivais depuis le début. Hein. Ça faisait depuis tout le début que je la suivais. C'est une des premières que j'ai suivies. Et quand elle est venue me voir pour la première fois, j'étais restée sur le cul. Heureusement que j'étais assise parce que sinon je serais tombée dans les pommes. Non, mais je n'en revenais pas. Je me suis dit, putain, pourquoi elle vient me voir moi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, j'ai fait encore une connerie. Et bah non, non, c'est parce qu'elle aimait bien. Elle m'aimait bien. Parce que j'étais faux folle. Donc non, j'étais très très touchée quand elle vient de me voir, j'en revenais toujours pas quoi. Et puis bah voilà, ouais, ça va faire 4 ans qu'on se quitte plus, non. Parce qu'on s'est encore jamais vu malheureusement, peut-être un jour, hein, qui sait. Mais ouais, ça va faire 4 ans qu'on se parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Puis on se fait des romans en plus, hein, pour parler de tout et de rien, de nos vies. Parce qu'on a beaucoup de points communs, on est toutes les deux dans le même univers, le même style, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes délires, on est toutes les deux pareilles, c'est ma petite sœur. C'est la petite sœur que j'ai jamais eue. Donc moi je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée, Mélanie. Je suis tellement heureuse qu'elle soit venue me voir en première. Parce que moi j'aurais jamais osé faire le premier pas. Sachant qu'on est toutes les deux timides, je suis très touchée qu'elle soit venue me voir quoi. Qu'elle ait fait le premier pas pour moi, qu'elle ait surpassé, comme ça qu'on dit. Sa timidité pour venir me voir, je reviens toujours pas. Donc Mélanie, voilà, si. C'est tout pour moi. Faut que j'arrête de faire trop de blabla. Déjà ta vidéo va être très très longue. Alors si en plus de ça, mais j'ai besoin de dire ce que je pense parce que c'est par message, c'est facile de dire ce qu'on pense. Mais comme ça, vivre vraiment en vrai de vrai, lui dire les yeux dans les yeux, ce que je pense vraiment d'elle, c'est autre chose. Enfin même si j'ai pas trop regardé la caméra, excusez-moi, je suis tellement stressée. Bref, je vais arrêter, hein, parce qu'en plus elle va m'engueuler d'avoir fait tant d'éloges sur elle. Elle est comme moi, elle aime pas trop. On est timide, excusez-nous. Hein. Donc voilà, on a fait notre premier swap. Et on en refera certainement d'autres. Et donc, voilà le bébé. Le gros bébé, on voit même plus. Quasiment plus. Donc voilà, je l'ai déjà ouvert juste en haut.
pour éviter de devoir le faire devant vous, pour pas perdre trop de temps, même si là j'en ai déjà perdu beaucoup. Mais j'ai perdu beaucoup de temps, mais c'est pas pour dire n'importe quoi, c'est pour dire ce que je pense réellement. Même si je suis pas quelqu'un qui parle de sentiments parce que je suis, voilà, j'ai ma fierté et je n'aime pas dire ce que je pense. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, quand ça vient du cœur, j'aime pas trop m'exposer. Je suis quelqu'un d'honnête, je dis ce que je pense, mais quand c'est des choses comme ça, c'est plus dur, c'est plus compliqué. Bon, bref, allez. Donc, j'ai mon téléphone devant moi parce que ma caméra, elle est au-dessus de votre tête, il n'y a toujours pas de son. Donc, je suis obligée de faire un mix des deux. D'ailleurs, j'ai oublié de l'allumer comme une con. Hein? Attends, bien, j'ai pas de bras à rallonge. Enregistré. Mais vieille coucou, attends, il a combien d'années ce caméscope? Oh ben, je crois qu'il a 10 ans. Ça fait 10 ans que tu me suis, mon pépin. Avant que je l'utilise pour YouTube, je l'utilisais pour ma vie personnelle. Bref, on s'en fout. Donc, attends, je vous montre de là-haut, Lucas, le petit carton. Le voilà. Bon, j'ai caché les adresses avec le washi tape, là. Comme ça, personne ne voit. Voilà. Moi, je vois rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du papier. Ouais. On voit rien du tout, en fait. On sait pas ce qui se passe. Bah, je le mets sur le côté, pour que ça soit plus simple. J'ai peur, j'ai tellement peur, j'ai tellement hâte, j'ai tellement peur. Je me dis, c'est quoi? Bah, attends, déjà, je vais sortir le petit mot, si elle m'en a fait un. Oui, il y a un petit mot que je garde pour moi. Je vais lire et je reviens après, hein, d'accord? Parce que moi, pour moi, les petits mots comme ça, c'est personnel, personne n'a le droit de savoir. C'est... Voilà, c'est mon point de vue. Donc voilà, je garde ce petit mot-là bien précieusement pour moi. Oh putain, ma petite Mélanie, mais t'es trop choupinou! Oh là là, il faut que... Faut pas que je craque, hein. Je reste forte, tout va bien. Hein? Déjà, rien que le petit mot, ça m'a mis dans tous mes états. Alors, hein? Donc là, j'ai le petit menu. Vous voyez le petit menu, tout mignon. Et que mes ferry. Ah oui, alors, parce que je vous dise, le soir qu'on s'est réalisé, bien sûr, c'est sur un thème qu'on aime toutes les deux, c'est le fantastique féerique, avec des paillettes, des strass et tout ce qui va avec, les papillons aussi, bien évidemment. Tout ce qu'on aime, quoi. Et pareil pour le. On s'est respecté des codes couleurs, parce qu'elle. Là, c'est différent, on n'a pas les mêmes couleurs. Moi, j'aime pas le rose et le violet, et elle les adore. Par contre, pour le bleu, on est toutes les deux d'accord. Et là, je crois que c'est pareil, elle n'aime pas le vert, et moi, j'adore. Moi j'ai bleu, vert, rouge, jaune, gris, blanc, noir, moi tout va bien. Il n'y a que le rose, le violet et l'orange que j'aime pas. C'est tout. C'est pas compliqué. Voilà. C'est plus simple de dire les couleurs que j'aime pas. Bon bref. Donc voilà, c'est sur le thème féerique fantastique, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on aime. Logique, non? J'ai peur d'avoir dit beaucoup de conneries parce que j'ai pas fait attention à tout ce que je disais. J'ai tellement dit les mots qui sortaient du cœur directement que je sais même pas si les phrases elles étaient compréhensibles. J'espère que ça ira. Hein. je fais même pas gaffe à ce que je dis, quoi. C'est dingue. Bon, on est parti. Donc, on va commencer par ouvrir le petit 1. Il y a marqué, j'ai cru comprendre que tu aimais les boîtes. Ah bah oui. Ah bah oui, les beaux boîtes. Moi, je suis une collectionneuse de beaux boîtes. J'adore les beaux boîtes. Les beaux boîtes, vite les beaux boîtes. Oh, le truc de dingue. Attends, je vous montre déjà ce qu'il y a dedans. Regardez-moi ça là-haut. Le joli papier cadeau. C'est super. Est-ce que je déballe tout ou est-ce que je garde dans l'ordre? Là, je vois le numéro 9. Donc, à mon avis, t'as fait la même connerie que moi. T'as mis tout dans le désordre. Histoire de bien faire chier son monde. C'est très bien. Moi, j'adore. Comme ça, on est obligé de fouiller. C'est génial. Je trouve que c'est plus rigolo. C'est plus drôle comme ça. Alors, j'enlève les petits bouts de papier. J'espère qu'il y avait rien dedans. Hein. Je laisse dans le carton ou pas? Je fais quoi? Je sais pas, je suis paumée, je suis perdue, au secours. Attends, parce que ça, c'est le numéro 9. Oui, numéro 9. Ouais, vas-y, je les mets là. Ça, le 2. Bah non, faut pas que je regarde, sinon c'est de la triche. Non, oui, t'as raison. Je laisse tout dedans. Alors, faut que je trouve le 1. Là, je vois le 6. J'enlève tous les bouts de papier. Hein. Je vais mettre là, ça sera plus simple. J'enlève les bouts de papier. Ah, je crois que c'est lui, le petit 1 là.
C'est un 1, hein? Oui. C'est le petit 1. Donc c'est parti. Oh, putain, j'ai chaud, purée. Donc des boîtes. C'est une boîte. C'est logique, hein? J'ai cru comprendre que tu aimais les boîtes. C'est une toute petite boîte, c'est trop mignon. Excusez-moi. Attends, j'ai pris mes ciseaux en fait. Ils sont où? Là, ça sera plus simple. Je vais moins perdre de temps. Faut pas que je casse par contre, hein? Avec les ciseaux, ça sera plus simple. Donc, je fais les deux en même temps. Je sois cadré là. Et puis là, voilà, vous voyez pas. Là, vous voyez là, c'est mieux. Stressé, mais truc de dingue. Ah, bah mince. Trop de scotch, tue le scotch. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une boîte, mais là, je vois pas encore ce que c'est. J'ai peur. C'est quoi? Oula. Oula, je devine un petit peu là. Oulala. Oh putain. Excusez-moi si je dis beaucoup de gros mots. Hein. Vous m'en voulez pas? Oh le truc de dingue. Elle était trop belle. Une magnifique petite boîte avec une jolie petite fée sur une ligne dessus. C'est trop beau. Une petite boîte en forme de cœur. Ah, oh, j'adore, elle est trop belle. Oh le truc de dingue. Ah, je suis trop fan. C'est génial. Je la mets devant moi. Voilà. Comme si je me fous des papiers partout là sur ma table. Hop. Et le petit mot que je garde aussi. Là. Voilà. On passe au numéro 2. Il toque à ta porte. Boiras-tu ce qu'il t'apporte? En plus, il y a des petites rimes. C'est trop mignon. J'adore. Attends. Il toque à ta porte. Boiras-tu ce qu'il t'apporte? Une potion magique? Mais qui c'est qui frappe à ma porte? C'est Merlin l'Enchanteur? C'est le premier mot qui m'est passé par la tête. Attends, le petit... Allez, go! Ah bah tiens, je vais juste la sous mon nez. C'est une grosse boîte. Enfin, en tout cas, ça la forme d'une boîte. Voilà, elle a protégé ça dans une boîte, c'est plutôt ça. Il toque à ta porte, boiras-tu ce qu'il t'apporte? Parce que si tu m'avais dit manger, ça aurait été la pomme de Cendrillon, de Blanche-Neige. Mais là, c'est une potion. Enfin non, je sais même pas si c'est une potion, non? Boiras-tu ce qu'il t'apporte? Bah alors là, franchement, je vois pas. Vous avez deviné, vous? Guerlain? Non. Attends, tu te fous de ma gueule là? Non, c'est juste la boîte, hein. Parce que là, wow. Attends, si je suis pas cadrée, ça va pas le faire, non? Qui c'est? Je vois juste un... Bon, je crois, une sorte de petit chapeau. Ouh là là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. Oh oui, bah ça a réveillé le chat. Je joue pas avec ça, moi. Attends, j'y vais doucement parce que j'ai peur, du coup, ça va casser. Oh putain. Wow. Ah, oh, c'est bluffant, là. Potion magique. Eh, une potion. Oh putain, il est trop beau. En plus, je peux cacher des petits trucs dedans. Ouais, c'est génial. Je peux cacher des petits trucs dedans. Ah, il est trop beau. Un petit lutin. Il va m'apporter une potion magique. Pour que je vole comme un oiseau. Oh ouais, comment je serais trop fan. Enfin non, non, il n'y a pas que celui-là que j'aimerais bien. Il y a plein de choses que j'aimerais bien. Comme pouvoir magique.
On s'en fout. Un magnifique petit lutin qui fait du bruit. Ah, c'est trop chou. Il est trop beau. Regardez-moi la tronche qu'il a, il est trop mignon. Moi, j'adore. Avec sa longue barbe blanche. Heureusement que c'est pas la barbe noire. Hein. Ah non, j'adore. Putain, c'est dingue les détails, quoi. Ah, oh, c'est bluffant. C'est magnifique. Waouh. Oh, je reste sur le... Putain, heureusement que je suis assise. Oh, là, on passe au numéro 3. Faut que je fasse vite parce que sinon je vais mettre dans tous mes états. Tu vas... Hein? Tu m'avais mise au défi? Réussi? Point d'interrogation? Je t'ai lancé un défi? Attends, je sais même plus c'est quoi. Tu m'avais mise au défi. On parle tellement toutes les deux que je sais plus. Bah alors là, je sais plus du tout. Le petit 3. Où c'est qu'il est le petit 3? Attends, parce que moi j'arrive même plus, je le vois même pas dans le carton. Le petit 3. Attends. Ah, j'ai vu le 4, le 7, le 5, le 8. Le 3, il est là. Attends, je remets ça dedans. Le petit 3. Oh, je suis tellement maladroite, au secours. Ah. Il y en a, voilà. Faut que je fasse attention que les ciseaux ne vont pas faire de conneries. Alors, tu m'avais mise au défi, est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je t'ai lancé comme défi, moi? Je dis tellement de conneries. Attends, j'ai peur de découper là où il faut pas. Puis moi j'aime pas déchirer, c'est un truc que je supporte pas. Je suis un peu trop maniaque sur les bords. Alors. J'ai trouvé, je vois pas. Qu'est-ce que c'est? On voit pas à travers un papier bulle. C'est un collier parce que je vois de la chaîne. Non mais t'es sérieuse? Mais tu... C'est pas possible, j'en reviens pas. Putain. Oh, ça va faire flou là, ça va pas faire mise au point. Regarde, la taille, tu... T'es sérieuse? Putain. C'est une de... Enfin, moi, je suis fan des félins. De tout ce qui est... Tous les petits et les gros chats. Et alors là, franchement... Là, c'est un petit chat, mais un gros chat en même temps. Regardez-moi ça. C'est dingue. T'as vu la taille de la... du petit... Non, pas dragon, n'importe quoi. Mais... Du petit tigre. Et la mini-fée. Purée, je reviens pas. Oh, c'est minuscule. C'est tellement bien fait. Je rêvais d'en faire un tigre. J'ai déjà essayé, c'était une catastrophe. Mais bon, oh là 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 là. Putain, je reviens pas, quoi. Mais c'est minuscule. C'est dingue, c'est tellement beau. C'est réaliste, super bien fait, tellement beau, tellement tout petit. C'est un truc de dingue. Ah, je suis trop fan. Il va pas me quitter, lui. Oh, purée. Allez, Allié passe au 4. utile à l'esthétique. Mais c'est trop énigmatique, tes phrases, là. Allier l'utile à l'esthétique. Voilà, je vois pas du tout. Hein. Le petit 4. Où c'est qu'il est, le petit 4? Aïe. Ah, je me suis foutu le carton dans le menton. Dans le menton. Où il est le 4? Il est là. Hop, je re-range. Petit 4. Et j'adore, je sais quoi ces petits. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait au marqueur directement sur le papier cadeau. Et là, elle a fait des petites étoiles. C'est trop mignon.
Alors, que je coupe pas. Hop là. Il est l'utile et l'esthétique. Attends, mais je vois pas ce que c'est. Attends, puis j'ai toutes les petites créations devant moi, là, c'est un truc de dingue. L'utile à l'esthétique. À vue d'œil, là, j'aurais dit un stylo. Quand tu le vois comme ça, stylo, crayon. C'est excellent si c'est ça. Ah putain, puis mes ciseaux, ils coupent pas. Faut que j'arrive à les changer. Hein. Les ciseaux qui coupent pas. Non mais attends, c'est comme de la colle qui colle pas, quoi. C'est pas logique. Oh, j'ai peur de le casser, au secours. Si je force... Voilà. Ça arrive tout doucement, mais... Ouais, c'est un stylo, purée. Mais attends, mais il y a du scotch partout. Oh putain. C'est un stylo sirène. Oh, c'est génial. Mais comment t'arrives à faire des choses comme ça? C'est un truc de dingue. Attends, je vais m'écrire sur les mains, c'est pas grave. Vous voyez bien? Je vois rien, moi. Vous le voyez? Petit stylo. Un stylo sirène. Je vous mets dans ce sens-là. C'est un truc de dingue. Oh, j'adore. Il va aller avec le carnet que Manu m'avait offert la dernière fois. Il va pas me quitter non plus, tu vois. Elle est trop belle. Ah, c'est bluffant. Putain. J'en reviens pas. Ouh. Allez, on y va? On passe au suivant? Le petit 5, parce qu'on les aime toutes les deux. C'est compliqué parce qu'on aime plein de choses toutes les deux. On a trop de points communs. Alors là, bah, ça peut être des fées, des papillons, des petits lutins, des petits... Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez, le petit 5, il est où? Je l'avais vu tout à l'heure. Il est où là? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est là, le petit 5. Le petit 5. Allez, on y go. J'ai peur. Ah, ah, je crois que c'est un petit papillon. Un collier. Oh, génial. Attends, je les vois que en transparence, là. Je vois pas vraiment. Ah, il y a la chaîne qui est tombée. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est tout en finesse. Le truc de dingue. Mais comment t'as fait ça? Attends, je suis emmêlée. Voilà. Mais... Comment t'as fait ça? C'est trop beau. Oh, le truc de dingue. C'est magnifique. Un joli petit papillon vert. Il est trop beau. Attends, je tremble. Hey, tout va bien. Tout va bien. Regardez-moi cette petite merveille, il est vraiment magnifique. Ah, il est trop trop beau. Ah, mais viens là. Oh, j'adore. Je crois que moi aussi, en plus je t'ai fait un petit papillon aussi moi en collier. Les grands esprits se rencontrent, hein? Ah, truc de fou. Allez, au suivant. Le petit 6, il était une fois. Un conte de fées? Mais quel est le conte de fées? C'est, moi, c'est un peu le cliché, mais quand on me dit il était une fois, je pense tout de suite à Disney, les princesses de Disney. Ma princesse préférée, c'est Réponse, après la fée Clochette. Mais la fée Clochette, c'est pas une princesse, c'est une fée, c'est différent. Moi, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Aladdin et du Roi Lion. Moi, je suis toujours aussi fan, hein. Mais maintenant, ouais, j'adore Réponse. Mais ça doit pas être ça. Parce que c'est pas le thème qu'on avait choisi. Enfin, si, oui et non. Enfin, bref. Bon. Il était une fois. Un conte de fées. Moi, je vois que ça, mais quoi? Qu'est-ce que c'est?
Petit 6. On est parti à la recherche du petit 6. Mais je crois que c'est lui. Ouais, ça c'est le 9 et ça c'est le 6. Donc, le petit 6. Putain, j'ai hyper chaud, laisse tomber. Donc, c'est dans une petite boîte encore. Donc, ça veut dire que c'est que ça casse. Ouais, c'est bien français, ça. Ah, j'aime pas déchirer, moi. Merde, mercredi. C'est demain. Ouais, parce que là, on est mardi, mais vous verrez la vidéo que vendredi. Hein, hein, c'est original. Une boîte de médicaments. Ça, c'est cool. Attends, ça, c'est la blague, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est quoi le temps? Il était une fois. Putain, le si peu que je vois à travers, là, c'est bluffant. Pardon, excusez-moi, là. Je... Oh là 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 là. C'est un vrai petit livre. Et je pourrais même écrire sur les pages. Non, je déconne, je vais les laisser comme ça. Il y a marqué quoi? Il était une fois une petite fée verte appelée Verteline. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Oh, puis elle est belle. Ah, elle est magnifique, les détails. Oh, elle a même du vernis à ongles. Oh, c'est génial. Oh, c'est excellent. Et puis les petites plumes en jupe, pour la jupe. Les vrais cheveux roux. Ah, je l'adore, elle est trop belle. T'es trop belle, toi. Oui, je lui parle, excusez-moi. Regardez-moi là, comment elle est trop chou. C'est un vrai petit livre. Enfin, vrai, on se comprend, hein. Avec des pages on, comme du parchemin, quoi. C'est trop classe. Attends, c'est même cousu carrément, quoi. Oh, le délire. Ah non, elle est trop belle. Elle est magnifique. Regardez, elle a même du vernis à ongles, c'est trop chou. Regardez-moi la boule qu'elle a. Elle n'est pas à croquer. Moi, je vais juste trembler, excusez-moi. Mais elle est trop belle avec ses petits cheveux, là. C'est trop mignon. Ah, je l'aime trop. Et il va falloir que je planque tout ça, sinon mes filles vont me les piquer, hein. Oh, les détails, c'est un truc de dingue. Waouh, moi, je reste sur le cul. Puis après, elle vient me dire que moi, je suis douée. Non, excuse-moi, je t'arrête pas la cheville, ma cocotte, hein. Ah non, mais clairement... Hein. C'est un truc de dingue. Ah oui, ce que je vous avais pas dit aussi, ça vient de me revenir. Pourquoi, je sais pas. C'est qu'en fait, on a décidé de filmer cette vidéo-là le même jour à la même heure et de la poster la vidéo le même jour à la même heure. On est tellement synchro que voilà. On est dans le même délire toutes les deux, alors on fait tout pareil, tout en même temps. Sauf qu'elle, elle est à un étage plus élevé que le mien. Hein, faut dire les choses comme elles sont, hein. Parce que oui, je vous avais pas dit aussi, on a décidé de se faire 7 cadeaux minimum et des bonus. Et on a toutes les deux tombé sur 3 bonus. Donc c'est très bien. En tout, il y a 11 cadeaux. Voilà. Donc, j'avais oublié de vous dire plein de choses finalement. Bon bref, allez, on passe justement au 7e cadeau, qui normalement est le dernier. Mais, et après, ce ne sont que des bonus. Donc le petit 7, c'est... Tout en simplicité. Tout simplement, voilà. Tout simple. Très bien. Donc on passe au petit 7. Là, le petit 7. Petit 7, petit 7, petit 7, petit 7. Tout simplement. Non, en toute simplicité. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un petit bijou? Tant que je perce pas le bijou quand même. Ça serait cool. Ah!
Il veut pas venir. Voilà. C'est un collier. Je ne vois toujours pas ce que c'est. Oh. Ouh là là. Putain, mais comment t'arrives à faire ça? Emma, je fais une jolie petite pierre avec un dragon dessiné à la peinture. Je crois qu'elle fait ça à la peinture. Tout à la main. Et quand tu vois la taille du petit pendentif, tout mignon, tout petit, tout rikiki, tu te dis, mais comment elle a réussi à faire ça, quoi? C'est bluffant. Oh, c'est tellement beau. Tout simplement. Peint à la main. Si c'est pas beau, ça. Il est vraiment magnifique. Oh, quelque chose que je vous avais pas dit aussi, c'est que tous les réseaux sociaux à Mélanie, tous ces liens seront en barre d'infos, bien évidemment. Donc vous pouvez la retrouver partout en barre d'infos. Voilà. On va passer au petit bonus. 8, 9, 10. Donc le 8, elle est toute douce, toute moelleuse, toute bleue ou presque, et elle est féerique. Une fée ? Toute douce, toute moelleuse. C'est un doudou ? Toute douce, toute moelleuse. Moelleuse. J'ai dit quoi ? Moelleuse. Vous avez compris. Hein. Toute douce, toute moelleuse, toute bleue ou presque, et elle est féerique. C'est. Petit 8. Petit 8. Mais oui, c'est mou. Mais qui es-tu, mademoiselle? Ou pas? Non, c'est... Enfin, si, elle. Elle est toute douce. Donc, c'est une mademoiselle. Oh, dis, j'ai failli couper les cheveux, là. J'ai vu les cheveux. C'est bon. On l'a échappé belle. Oh non, le délire! Mais comment tu fais ça, toi? Je vais l'engueuler, la peau. Non! Il y a du scotch partout. Oh purée. C'est pour accrocher. Oh, c'est trop chou. Tu peux peut-être déplier ses ailes, non? C'est des ailes qu'elle a autour d'elle? J'ai peur, hein. Oui, c'est ça, c'est des ailes. Je fasse pas de conneries. Oh, elle est trop mignonne. Dis ça, faut que je le planque, sinon mes chats, ils vont jouer avec aussi, hein. Oh, j'adore. Elle est trop mignonne. C'est un truc de dingue. Oh, la vache. Elle est super belle. J'adore. C'est trop chou. Et imagine si tu lui avais fait un tie and dye dans les cheveux comme moi. T'aurais été mon petit modèle. Ouais. Non, je déconne. Ah non, mais elle est trop belle. Ah, j'adore. C'est trop choupinou. Neuf. Celui-ci est particulier. Le 9, c'était celui-là. Oui. Il est grand celui-là. Celui-ci est particulier. Mais c'est pas assez. On comprend pas tes phrases. Bon, non, c'est pas qu'on les comprend pas, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'est. Il y a trop de. Comment que. Je sais pas comment dire. Il y a des. Je sais pas. Je sais pas comment dire, excuse-moi. Mais ça laisse pas deviner ce que ça présage, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, purée! Ah oui, d'accord, c'est bon, je vois en transparence. C'est un arbre de vie. C'est pas sérieux. Oh, lolo, il est beau en plus! De toute façon, la phrase con. Mais oui, forcément, tout est beau avec Mélanie.
Et puis plein de plumes. Enfin, je vois en transparence pour l'instant. Putain, je crois qu'on a eu la même idée en plus. C'est pas le même délire. Enfin, c'est le même principe, quoi. Tu verras. Enfin, tu l'auras déjà vu d'ici là. Vous, vous verrez quand vous verrez cette vidéo. On a le même... Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté! Purée! Oh, je suis trop fan, il est trop beau! Oh, le truc de dingue! Regardez ça, comment il est trop beau! C'est magnifique, hein. Putain. Pardon, excuse-moi, j'ai dit beaucoup de gros mots. C'est trop beau. Je suis trop fan. Aïe, 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 aïe. C'est magnifique. Et bah putain. Pardon, excusez-moi, c'est sorti du cœur. Hein. On passe au dernier, hein? Il est temps. Alors, le petit 10. Être de la forêt, un être de la forêt. Les arbres sont sa maison. Son être fait attention lors de ta prochaine sortie. Attends. Je récapitule. Alors, un être de la forêt, les arbres sont sa maison. Son être fait attention lors de ta prochaine sortie en forêt. Les arbres ont parfois des âmes. Attention, voici la dryade. C'est trop énigmatique. Ça présage beaucoup de choses en fait dans tes phrases. Ça peut être plein de choses là, donc j'arrive pas à voir. J'arrive pas à... Donc voilà, le dernier, c'est le petit 10. On a le petit 10. Non, j'ai encore une boîte en carton, donc ça veut dire que c'est encore fragile. Allez, c'est le dernier. Après, c'est bon, le stress va redescendre, ou pas. Encore un médicament. Oh, ça déborde. Bah, je vais connaître toutes les maladies que t'as là avec tout ça. C'est pas bien de prendre des médicaments, faut pas en prendre. Moi, je dis ça parce que je suis jamais malade. Même quand je suis malade, je prends pas de médoc. Bref, on s'en fout. Puis moi je fais la con juste avant. J'ai juste vu ça, ça m'a suffi. Hein. Ça m'a suffi pour me calmer. Attends, être de la forêt, les arbres sont sa maison, son être. Fais attention lors de ta prochaine sortie en forêt. Les arbres ont parfois une âme. Attention, voici la dryade. Oh purée. Oh, t'es pas sérieuse. Ça tient debout ? Ah, vous voyez l'envers? Ben oui, ben. Attendez de voir devant. Excusez-moi, j'ai pas de mots là. Je reste sur le cul. Putain la vache. J'adore les écorces. Et puis après, tu oses dire que moi j'ai une imagination débordante. Et ben toi, c'est quoi alors, hein? Jamais j'aurais eu l'idée de faire quelque chose comme ça. C'est. Oh, le délire. Excusez-moi, je suis en admiration. Ouf, c'est vraiment un truc de dingue. T'as vu encore une fois la taille? C'est tout petit, Rikiki. Les détails.
j'en tremble. Oh, le délire. Oh, purée, attends. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté. C'est un truc de dingue. Waouh. Que je vous remets tout ce qu'elle m'a offert là-haut. Là-haut, je me comprends. Hein. C'est trop, trop beau. Est-ce que tout va rentrer dans le cadre? C'est pas sûr. J'ai trois jolis bijoux. Vraiment magnifiques. Un petit lutin avec une potion magique. Une petite boîte avec sa petite fée. Hop là! Tant que la boîte elle se fasse. Ma petite fée, elle est trop choupinou elle. Et un super grand, on va tenir entre guillemets un attrape-rêve façon arbre de vie. Tout ne rentre pas. Ah, attends. Que je remette. Voilà, tout est là. Et bah c'est bluffant. Mais là, c'est sûr et certain, je t'arrive pas à la cheville. Hein. Tu vas être déçu de tout ce que je t'ai envoyé, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai pas fait tout ça. Toi, c'est trop beau, c'est trop recherché, c'est magnifique. J'en reste sans voix. Attendez, faut le temps que je reprenne mes émotions, là. Hein. Il va y avoir une coupure. Oh, purée. Eh ben, dis donc, hein, j'en reviens toujours pas. Waouh, c'est un truc de dingue. Tout est magnifique. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Ils sont tous vraiment trop beau. J'arrive plus. Je suis perdue, là. J'ai toujours autant chaud, c'est dingue, là, c'est de pire en pire même. Je vais rester comme ça. Avec mes petits cheveux. Eh, la coiffeuse, elle m'a cramé mes cheveux. Je suis deg. Heureusement que c'est dans la nuque. Hein. Pardon. Ah non, mais c'est un... Je sais même pas quoi dire, franchement, j'ai pas de mots. Et je suis frustrée, enfin, oui, dans un sens, je suis frustrée par rapport à ce que moi, je t'ai offert, quoi. Ça n'a rien à voir. J'ai fait plus de bijoux qu'autre chose. Toi, il y a beaucoup d'objets de déco et c'est magnifique. Je vais pouvoir refaire toute ma déco, ça c'est génial. Je crois que je ne l'ai pas dit jusqu'ici. Mal polie comme je suis. Alors, un très très grand merci Mélanie pour tout ça. J'ai pas de mots, excuse-moi. Vous n'êtes pas gentilles les filles. Hein. C'est comme avec Mélanie, je me sens pas à ma place là, je me sens pas bien. Et j'en perds ma voix. Ah, c'est un truc de dingue. Je suis ailleurs là, je suis dans un autre monde. Je déconne, je fais le tour de la plaisanterie, mais c'est pour enlever tout le stress là. C'est ça, quand je suis timide, pour pas montrer que je suis timide, que je suis stressée, que j'ai peur, etc., etc., je sors des grosses conneries. C'est ça, voilà. Ah non, mais là, je reviens pas. Tout ce que j'arrive à dire, c'est merci Mélanie. Voilà. En même temps, ça veut dire beaucoup de choses, ça, tu me diras, mais. Ça suffit pas par rapport à tout ça. T'étais impatiente de refaire un swap avec moi, mais à mon avis, quand tu vas voir ce que je t'ai offert comparé à toi, tu vas plus vouloir de faire de swap avec moi, là, c'est sûr, c'est une évidence, hein. Ah, le truc de dingue. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Trop choupinou, c'est trop... Mais en même temps, t'es ma chouchou, donc voilà, tout est choupinou, c'est normal. Attends, non, franchement, un très grand merci à toi, Mélanie, ça me touche en plein cœur tout ça, c'est vraiment magnifique. Dans ton petit mot, tu disais que tu avais fait ça avec tout ton petit cœur. Et ben moi, ça me touche dans au plus profond de mon petit cœur. Donc voilà, hein, on a fait une paire de coups, c'est très bien. Tellement beau, tellement bien fait, tellement minutieux. Oh, le truc de dingue. Donc j'espère quand même que les petits trucs, même si je suis pas du tout à ta hauteur, hein, là, loin de là, quoi. Mais les petits trucs, les petits machins, les petits bidules, parce que ça n'a pas de nom, ce que je t'ai offert, que, clairement, à côté de toi, je vois rien. Donc j'espère quand même que ça te plaira quand même un minimum. J'ai peur. Je vais être stressée en attendant ta réponse maintenant. Enfin bref, voilà. Un très grand merci, c'est tout ce qui me vient en tête. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci.
Mais voilà, je vais essayer de couper court à cette vidéo parce que sinon je vais plus, je vais pas m'en sortir, je vais faire une... Voilà. On va couper court, hein? J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Que la vidéo de Mélanie aussi, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Que oui, donc du coup que la vidéo à Mélanie va vous plaire aussi, malgré que je sois pas du tout à sa hauteur. Elle est pas très active sur sa chaîne YouTube, mais elle est très active sur son compte Facebook, donc même sur Instagram aussi. Donc allez la voir, franchement ça vaut le coup d'œil, hein, tout ce qu'elle fait c'est bluffant. Elle partage même aussi des choses que sa maman elle fait, et ça je trouve ça tellement mignon, tellement attendrissant. Parce que voilà, sa maman c'est comme la mienne, c'est comme mes parents, ils vaut tout l'or du monde. Et puis ben voilà, nos parents c'est nos parents, hein. Et moi je trouve ça tellement mignon quand elle partage les choses que sa mère a fait. En plus sa mère elle se démerde super bien, c'est pareil, c'est cette famille, hein, elles sont toutes les deux super douées. C'est un truc de dingue. Allez voir sa vidéo, sa chaîne YouTube, son compte Facebook, son compte Instagram. Allez voir ce qu'elle fait franchement, si vous la connaissez pas encore, vous loupez quelque chose. Franchement, allez-y. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, on est... Voilà. Et puis bah voilà, hein, c'est tout. Ouais, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Voilà, on arrête là. Allez, des bisous, des gros poutous, et à très bientôt. Ah ouais? Et encore merci, Mélanie, bien évidemment, hein.